Et bonjour tout le monde! Alors, je viens juste de m'acheter Bell White. Il vient juste de sortir aujourd'hui. J'ai pu regarder quand même quelques lives juste pour voir à quoi m'attendre. J'ai vu qu'il y avait un petit souci d'optimisation. Donc, je sais pas si c'est à cause de leur PC, leur carte ou quoi que ce soit. Enfin, bon, bref, on verra bien. Avec moi, niveau des options, j'ai laissé tel que c'était élevé, ultra, ultra élevé, ultra, ultra élevé. Bon. On verra. Après, au pire, je baisserai un petit peu les graphismes. On verra comment ça va se passer. Nouvelle partie. Donc, du coup, un personnage. Donc là, nous avons les femmes. Ici, les hommes. Il y a plus de choix d'hommes que de femmes. On peut juste choisir la tête, les cheveux. Ah ouais. Ok. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je m'emmerde pas vraiment. À choisir quoi que ce soit, mais c'est vrai que les cheveux, alors là, on a quoi, trois choix? Y a pas de buck, y a pas de buck. Ouais, pourquoi pas, ça pourrait le faire, mais par contre, non, pas ces cheveux-là. Ou alors, on va peut-être les faire comme ça plutôt. Avec un petit peu de cheveux, on peut même pas choisir la couleur, rien du tout. Pour le moment, honnêtement, voilà, il est en early access. Moi, je dis, voilà. Je vais pas trop me plaindre. De toute façon, généralement, je me prends pas trop la tête avec le choix du personnage. Donc, ça ira très bien. Un jeu donc de survie. On va construire notre petit village. Enfin, notre petit village. Notre petit camp de pouilleux en recrutant des pouilleux. Et on va devoir améliorer un petit peu tout ça par la suite. J'espère que ça n'a pas planté. Non, c'est bon. Ça me fait toujours un peu peur hein, dès qu'il y a une coupure de son. Est-ce qu'il y a une Isn't présentation? Oui, je it vais me taire. funny how one small decision can have consequences that ripple through history? Or are we victims of a predetermined path? Was it chosen for you the day you visited your favorite woods on your 10th birthday? Was it destiny that the royal family were hunting there at the same time? From a tree on high, you watched as Prince Voldar and Princess Osen laughed, talked, and tracked wild animals without a care in the world. And you watched in helpless horror as a stray arrow bolted through the trees, hitting the prince in the chest like a lightning strike. Just like that, the prince was dead. And when the princess found you standing over her brother's dead body, it felt as though the gods were playing a cruel trick on you all. In the panic and confusion, you ran from the scene as fast as your legs would carry you. Fueled by rage and grief, the king demanded the head of any child who fit your description. Fearing for your life, your father asked a friend to bring you far away. Away from the king's wrath. In the middle of the night, you were taken from your home and brought away on horseback. In tears, you called out to your mother, but it was too late. Your old life was over. For years, you hid from the royal family, your resentment growing. You heard stories of your homeland. The rise and fall of a rebellion, the death of the king, and the reign of the evil Queen Osen. But on the eve of your 20th birthday, your guardian, the man who smuggled you out of Carvinia and kept you safe all these years, was brutally killed by a mysterious assassin. As he died in your arms, his hand clutched a coin with a strange sigil emblazoned upon it, a clue. Now, you have returned to your homeland for answers. Through choice or through fate, vengeance would be yours. But how will you fare in a land you no longer recognize? Ok, c'est dommage qu'il ne soit pas en français, en tout cas pour l'explicatif ici au début, qu'il ne soit même pas sous-titré. Parce que j'ai pas tout compris, hein. J'ai pas tout capté, donc voilà. Du coup. Ouais, effectivement, là c'est pas à fond à fond. Je vois quand même qu'il y a quelques petits soucis, mais
enfin bon bref. Pourquoi pas, donc moi je suis là, la map c'est tout ça, je sais pas si c'est grand. Je vois pas trop. Campement de bandits. Campement de bandits, ok. Champ de blé de bandits aussi, non? Camp de bandits, ok, donc en gros il y a des bandits partout, va falloir leur mettre une raclée. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Donc déjà on va commencer par ça, je pense. L'objectif. Est-ce qu'il est indiqué quelque part? Non, oui, ici, par là-bas, sur la minimap. Histoire des Bastères. Les Bastères sont la plus pauvre des 5 régions et l'une des plus anciennes. Ses occupants dépendent principalement de l'agriculture pour leur substance. En raison du fléau, les gens produisent à peine assez pour vendre et encore moins pour se nourrir. L'actuel seigneur, contrôleur. D'accord. C'est montré. Ça, c'est l'histoire. C'est quoi ça, ça soulèvement il y a 10 ans, attends, c'est quoi soulèvement des Carbaniens? Bon voilà, j'ai pas envie de lire non plus. Je suis pas super fan. Juste pour voir comment est-ce qu'on... Ah, ok, comme ça, là j'ai l'inventaire ici, d'accord, je suis quand même habillé heureusement. Bâtiment, cabane personnelle, arbre technologique. Il y a quand même des petites choses à voir, hein, d'accord. Je sais pas trop où, je vais voir ça un peu plus tard. Sur quoi je vais partir. Recherche des réponses. Recherche de réponses. Parler à Debron Yorklin ancien. Ok, je suis revenu dans les Bastères après 10 ans. Je devrais rassembler des informations sur le sceau laissé par l'assassin sans que personne ne connaisse ma véritable identité. D'accord, je sais pas qui je suis encore. La map, le codex, notification. Ok, c'est parti. Allez. Donc il y a un petit speed, je ne crois... Ah si, il y a une barre de stamina juste en vert en haut à gauche. Apparemment il y a des raccourcis aussi, est-ce que je vais pouvoir récupérer... Je peux récupérer du lin, il me semble que je vais en avoir besoin d'ailleurs. Du chanvre également, tiens, vas-y. Faut juste que je voie avec I, ok, du chanvre machin, j'ai encore un peu de place, on va prendre un maximum, je sais pas si je vais pouvoir vendre. Ça, on peut vendre? Non, on peut vendre. On peut récupérer. Arbre découpé, je peux pas. Jeune arbre récolté. Du bois. Enfin, c'est plutôt des petites branches. Hein. Ok, allez, on y va. C'est par là-bas. On verra après, de toute façon. À partir à qui? Ah, ok. Ça va partir au village voisin. Alors, attention, ne pas voler. Les plantes qui se trouvent autour. Interdiction de cueillir. Hein. Il devrait mettre des panneaux, d'ailleurs, par terre. Donc, Erndin, ok. On y arrive, un joli petit village quand même. Je crois qu'il va falloir attendre un bon petit moment avant que je puisse... T'as un problème, toi? Non. Enfin, maintenant, j'ai rien du tout, j'ai même pas un petit bout de bois. Enfin, si, j'ai du bois sur moi, mais bon. Je ne pense pas que ça suffit comme arme. La stamina, par contre, c'est un problème, là, apparemment. Apprenti... Forge, ok. On verra après. Alors, we need to talk, traveler. You're a new face around here, and new faces showing up rarely ends well for this village. Ok. I have a duty to my village first and foremost. I need to know who you are and why you came here. Je ne vous vois aucun mal. Je suis venu dans les Bastères à la recherche de réponses. Excusez-moi. Vous ai-je offensé? Looking for answers, huh? In a perfect world, I could give you all the information you need and you could be on your way. But speaking openly can be a death sentence these days. As long as you're asking questions, you're putting us in danger. Eh ben, t'es un peu peureux, toi. J'ai votre permission de rester dans le village pour le moment, au moins. Je dois admettre que je ne m'attendais pas à un accueil aussi glacial. Que suis-je censé faire maintenant? Tiens, that is not my problem or Heyandine's problem. Go build yourself a shelter somewhere if you insist on staying in the lowlands. Come back when you're set up and maybe you can earn your keep. Ouais, ok. Je ferai exactement ça et je compte bien gagner votre confiance d'une manière ou d'une autre. Ça va pas l'inquiéter, ça. Vas-y. Ok. Construisez une cabane personnelle pour vous-même. Attendez jusqu'à demain. Bâtiment en construction. Ça, c'est pas mal, ça. Construisez votre premier abri, une cabane pour... Pour ce faire, appuyez sur B pour ouvrir le menu de construction, puis sélectionnez cabane et placez-la sur le sol. Chaque construction nécessite des ressources. Pour la construire, construisez une cabane ne devrait pas être un problème pour vous. Mais plus tard, les villageois embauchés vous aideront dans des constructions plus complexes.
Vous ne pouvez pas placer de bâtiments trop près des villages existants. Trouvez un bon emplacement à proximité de toutes sortes de ressources est votre première grande décision qui affectera votre logistique et votre stratégie. Ok, donc. Il va falloir. Déjà, j'aimerais bien m'installer vers un point d'eau. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Comment est-ce qu'on fait pour annuler? Bon, c'est pas grave, Keep c'est quoi going. ça, point de passage? Là-bas, il y a un point d'eau, mais ça, c'est quoi? Campement de bandits. Ah ouais, mais des campements de bandits partout là. Là, c'est de l'eau. Là, c'est de la flotte aussi. Peut-être que par là-bas, ça pourrait être pas mal. Est-ce que. Comment est-ce que je fais? Bon, c'est pas grave. Je vais descendre au sud-est jusqu'à rejoindre un point d'eau. Je pense que par là-bas, ce serait pas mal. Mais par contre, je ne vois pas du tout. Ah, j'ai peut-être un truc là. Un autre codex. Monde. Bois. Petit morceau de bois, champ, machin. Ok, merci. Je vois à peu près ce que c'est. Donc, j'avais dit par là-bas. Allez, on y va. On va faire un tour. Je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Mais au début de partie, c'est toujours un petit peu compliqué, hein. Ah ouais, c'est que c'est un grand village quand même là. En plus, ils ont de la construction en pierre ici. Donc, j'ai regardé des petites vidéos quand même, juste pour voir comment ça se passait, mais je les ai pas vues. J'ai pas vu les autres en fait, où est-ce qu'ils se sont installés, les autres joueurs. Ah ouais, mais j'ai quand même un petit bois à faire là. Et puis, avec la stamina que j'ai, ça va être un peu compliqué. Oh, un petit chat, il est mignon. Il est gentil, le chat. Merci, au revoir. Voilà. Pas quitter. J'espère juste qu'il va pas le caresser l'oncle indéfiniment. Voilà, parfait, il est content. Peut-être qu'il va me suivre. Non. Ah tiens, ici, il y a un point d'eau. Est-ce qu'on peut boire, manger? Ou est-ce qu'on a une barre de faim et de soif? Apparemment, là, je ne vois pas. Alors, je sais pas si je dois manger quelque chose, mais sûrement. Mais je pense que c'est juste fait pour que... Ah, peut-être que je devrais suivre la route, en fait. Ah, il y a des moustiques pas loin. Ouais, je vais peut-être suivre la route. Et voir s'il y a peut-être des points de passage, des choses en fait que. Des choses à voir d'ailleurs, ça là-bas, c'est quoi? Oh, il y a un cerf qui m'a capté, c'est ça? Ou un animal. Boîte de fronde. Personne ne me regarde. Souffre-t-il comme nous souffrons? Est-il de notre sort? Écoutez-nous, ô Dieu puissant, nous nous consacrons à gagner vos bénédictions continues de prospérité. Nous vous prions d'accepter ce que nous avons à offrir, aussi maigre soit-il. Tiens, vas-y, montrez, comme ça c'est bon. Bah écoute, je suis désolé, hein, mais je me sers. Ancienne pièce de monnaie de l'époque précédant la tyrannie en mieux, et c'est pris en négociant, augmentera la confiance du village en vous. Du poisson fumé, c'est ça que j'ai récupéré, non? Alors, ancienne pièce, ok. C'est tout ce qu'il y a à récupérer ici, ok, très bien. Comme quoi, hein? J'ai récupéré une pièce, c'est le début de la richesse. Ah, mais j'ai déjà crevé quand même, hein. Bon, je crois qu'on va y aller en marchant. On va quand même speeder un petit peu, de temps en temps. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Tiens, tiens, toi, t'es qui, toi? Ah, peut-être que c'est le premier qui pourra me suivre, hein, qui sait? On va se renseigner. Yes. Que faites-vous ici? Shush, I'm hunting. I don't have time to talk with you right now. Ok. Est-ce qu'il est indiqué sur la map? Pas du tout. Ah ouais, donc le chevreuil là, il s'est barré. Hein. Ah ouais, j'aurais peut-être besoin de pierre aussi. Autant en prendre tout de suite. Ouais, ce n'est pas stackable hein, par contre. Fabrication. Là, il me faut encore un peu plus de bois. J'avais vu que je pouvais arracher. Peut-être ici. Non, ça c'est des baies. Creuser nécessaire, ok, pour les souches. Bon, faut pas que je prenne tout et n'importe quoi non plus. On boit un. Il me fallait. Ça, c'est quoi une torche? On s'en fout pour le moment.
Mais je vais pouvoir me faire aussi une hache. Par contre, je vais avoir besoin d'un peu plus de bois. On va arrêter de prendre des pierres. On va quand même voir. Ah voilà là. Allez, on va se faire un gourdin primitif. On laisse cliquer. Ça. Et puis il me faudrait une hache également. Donc là, il me faut encore un petit peu de bois. Il m'en fallait 6, hein. Je crois que je suis à 3 actuellement. Bon, je pense que je vais pouvoir en récupérer en cours de route. Avaler, machin. Ok, pour l'intérêt. Ouais, on va vite à la flotte, hein, je pense. C'est quoi? C'est de la pierre, ça? Donc tout n'est pas encore traduit. Apparemment. C'est quoi ça? C'est pour de la culture? Bien, c'est... Non, je sais pas. Là, du bois. Non. Trop jeune. Assez âgé. Assez âgé. Est-ce que c'est suffisant? Parfait. Par contre, je vais avoir besoin encore de bois. Ok, on va voir. Est-ce que je peux couper un arbre avec ça maintenant? C'est vraiment juste pour voir. D'accord. On coupe la bûche. Donc je regarde un petit peu le fonctionnement. Hein. Apparemment, ça ne baisse pas mon endurance. Ah ouais, il va falloir le couper en... Ah non, prendre. Ah oui. Ah bah là, j'aurais clairement pas assez de place pour, en prendre une autre. Est-ce qu'on peut le ranger ou pas? Ouais, parfait. Nickel. Ok, donc il va falloir que je crafte certaines petites choses. Là, on va aller tout droit. Par là-bas, il y a un petit lapin, je vois. Ah, j'ai envie d'avancer. Là, je sais pas, là, ça me plaît, là. On va quand même prendre un peu ça, parce que je pense que j'en aurais besoin quand même, du bois. Qu'est-ce que j'arrive à la flotte? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a déjà un campement là-bas. On va voir ce qu'il y a. On va prendre le gourdin, au cas où. Ça c'est quoi? Ah ok, c'est comme un... Comment est-ce qu'il s'appelle ce jeu déjà? Kingdom Come Deliverance. Ah mais il y a un villageois là-bas. Il y a un petit gaillot. On va voir en fait ce qu'on peut faire avec lui. Les roseaux. Pour le moment je vais pas en prendre. Minerai d'étain. Ah ça c'est peut-être un peu plus rare. On va prendre. Peut-être. C'est même... Ah non mais là il y en a. Ok l'étain. Oui effectivement l'étain. On va récupérer ça vers la flotte. Oh merde. Ouais, alors... Merde, je suis déjà mort. Est-ce que je peux courir? Aidez-moi! Ok, première mort. Du coup, je pense que j'ai plutôt m'installer par là-bas, ou je sais pas. Là-bas, il y a un pont. Alors, je pensais pas qu'il y aurait quelqu'un. On va voir si on peut s'installer un peu dans le coin. Allez, on va réapparaître, évidemment on réapparaît là, mais par contre on réapparaît avec tout notre staff, ça c'est pas mal. Plutôt intéressant, est-ce que je peux sauvegarder? Oui, nickel, on va juste quand même sauvegarder. Sauvegarde rapide, on va sauvegarder ici, sauvegarde 1 tout simplement, je me fais pas chier avec ça. Allez, première mort, en tout cas, est-ce que je vais pouvoir quand même crafter des flèches, des arcs? Non, pas du tout. Santé et blessures. Dormir restaure complètement vos PV. Lorsque vous ou vos compagnons perdent une bataille, ils réapparaissent, mais deviennent blessés pendant un certain temps. S'ils perdent à nouveau avant d'être soignés, ils meurent définitivement. Les blessures appliquent divers effets négatifs. D'accord, mais par contre, on ne dit pas, mis à part. Donc, c'est pas la nourriture. Moi, je voulais juste voir quelque chose. C'était ici, peut-être. Qu'est-ce qu'il faut? Pas encore découvert. Ah, faut découvrir pour que je puisse. Ah, voilà, c'est là les flèches. Donc il va falloir que je parte à gauche. Un établi simple et ensuite je vais pouvoir faire bouclier, flèche.
Arc et flèche, hein. Ça je vais en avoir besoin, je pense. En tout cas, en début de partie, on verra tout ça. Est-ce que je peux passer par là ou pas? Ça me paraît dangereux, non? C'est bon? Enfin, dangereux. S'il n'y avait pas un ravin ou quelque chose dans ce genre. Ah oui, je vais voir. Ouais, non, j'ai perdu mon inventaire, évidemment. Je garde quand même tout ce que j'ai sur moi. On va aller récupérer un petit peu tout ça. Vite fait. Et puis, je vais quand même construire ce que je peux. Par contre, oui, les loups, là, un peu galère. Ah, mais là, il y a un petit truc. Combat. Ouais, c'est le moment de m'expliquer. Hein. Faites glisser votre souris vers la gauche ou droite ou bas et cliquez sur Left Mouse Button. En même temps pour effectuer une attaque directionnelle ou machin pour effectuer un bloc directionnel. Observez attentivement vos ennemis lorsqu'ils attaquent et bloquent de la même direction. N'oubliez pas que le jeu de jambes et le maintien de la distance sont la clé du succès. Et lui il a une jolie épée déjà. Il existe de nombreux types d'armes, EPH, faites progresser votre ville et débloquer les technologies pour pouvoir commander ou les fabriquer vous-même. Ok. Oui, j'étais déjà passé ici. Pas grave. On y retourne. Mais je vais peut-être pas m'occuper des loups. Il faut vraiment que je trouve une zone. Mais par contre, j'aimerais bien m'installer. Généralement, je m'installe toujours vers de la flotte. Donc là, il y a quand même un grand chemin, un grand terrain. Je sais pas si je vais pouvoir bloquer le pont. Ce serait pas mal. Si on peut bloquer le pont et puis faire un système de péage, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, foutre votre bordel. Enfin, foutre le bordel, hein, moi-même. On va voir si on peut couper également. C'est bien dans cette direction, hein, tout à fait. Allez. On va essayer de couper. Par contre, je sais pas si en passant par la forêt, si je croise d'autres loups également. J'aimerais juste éviter. De toute façon, je rejoins le chemin. Donc... Voilà. Alors, je sais pas, mais il devrait. Je sais pas s'il y a un système de niveau, par contre. Pour augmenter l'endurance, etc. Ou alors il va falloir faire des plats et puis peut-être qu'avec ça je vais pouvoir... Ah mais là il y a des champignons. Est-ce que ça... Remplacement rapide. Ah ouais d'accord, ok. Si j'en mange un. Ah ça me booste la vie. Et l'endurance, d'accord. Pendant un certain temps, je pense. Ça, c'est pas mal. Ok, ça, c'est cool. Donc, c'est comme ça qu'on booste. Donc, oui, c'est bien la nourriture. Par contre, je vais pas avoir d'autre choix que de recroiser les loups, là. Hein. C'est pas grave. On y va, on y retourne. Gourdin en main. Apparemment, va falloir réparer aussi les outils, les armes. Donc, les loups étaient par là, hein. Ils m'ont capté de loin quand même, ces petits salopards. On va juste repasser par là quand même. On va voir si on peut les éviter. Je sais pas si je vais pouvoir passer par là. Ouais, ils sont là-bas. En tout cas, il est là-bas. Il y en a un que je vois, mais pas le deuxième. Je sais pas s'ils gardent leur vie également. J'espère pas. Ah non, c'est la musique. J'ai baissé la musique au maximum. Enfin, pas au maximum, mais quand même beaucoup plus bas. Donc, on peut passer par la flotte. On est plus lent. Et peut-être que je vais pouvoir récupérer de la viande de loup. Par contre, c'est dommage parce que, oui, là, je n'ai pas d'arc. Il est couché tranquillement. On va se le faire, on va essayer. Hein. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Allez. Non. Il y avait un deuxième. Il est plus là, j'espère. Merde. Est-ce qu'on... Il n'y a pas de touche pour un... Ah, je peux faire comme ça. Par contre, j'aurais pas assez de place.
Je vais devoir virer du chambre. Là, j'ai eu peur. Par contre, il va vraiment falloir que je me repose. Hein. On va... Non ! Aide-moi ! C'est pas vrai. Ah, je vais crever encore une fois. Fais chier. Est-ce que t'aimes pas l'eau ? T'aimes pas l'eau ? Tu n'aimes pas l'eau, tu détestes l'eau. Aïe 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 aïe. Ok, bon, c'est pas grave. On y retourne encore une fois, mais c'est affreux là. Je fais n'importe quoi. Est-ce que je peux passer par là? Ouais, je pense. Allez, on va passer ici. On va bouffer l'autre champignon. Ah, je l'ai plus, merde. Bah non, ça reste dans le. Ah, dommage. J'aimerais bien récupérer par contre. Ou alors je vais peut-être laisser et j'irai récupérer une autre fois, j'espère que ça reste. Bon, au pire, je mets pas grand chose non plus dedans. Hein. Bah, je sais pas si j'ai bien fait de passer par là quand même. On va passer là. Et puis on va essayer de construire dans le coin. Ah oui, là par contre, on a du chanvre. Ici, on a du minerai de cuivre. Plutôt intéressant. Les restes de cagnotte. Ouais, ça serait pas mal de s'installer par là-bas. On va faire ça. Même s'il y a des loups, c'est pas grave. Là, il y a quoi là? C'est quoi ça? De la rush, tout simplement. Ah bah tiens, je peux faire ça par contre. On va voir ce que ça donne. Est-ce que... Voilà, ça, ça me booste aussi. Allez, on va juste récupérer... Ah bah tiens, puis des champignons en même temps. 4. Ah ouais, ça c'est bien ça. Vas-y, récupère un peu de champignons. Il va me falloir du bois. Pour que je puisse construire, en plus il commence à faire nuit, donc je sais pas si ça peut poser problème ou non. On reprend encore des buissons, il faut des buissons. Là il y a du bois. Ah, tiens, j'ai quand même bien fait de passer par là. Hein. J'aurais juste récupéré le bois, mais je peux pas. Et là j'en ai quand même pas mal maintenant. 4-6. Alors je sais pas ce qu'il me faut pour construire justement ma petite cabane. Là j'ai perdu quand même pas mal de temps. Bon, on va quand même bien regarder hein, parce que... ouais, on va passer par là. Ouais, t'es fatigué. C'est quoi ça? Ah, ça va, c'est rien. Une luciole apparemment, je crois. Ou c'est une feuille? Non, c'est un papillon, d'accord. C'est kiffif. Et cette fois-ci, on va passer par la droite. En espérant que... qu'il n'y ait pas de loup dans le coin. On va quand même prendre ça. Là. Oula. Oh non! Il y a des loups partout! Il y a des loups partout. Bon, par là, il n'y en avait pas. Est-ce que je pourrais construire ici? Je peux enlever les souches. Je pourrais couper les arbres. Ouais, il y aurait de quoi faire hein, si je peux virer un peu tout ça. Le loup là-bas, il est au fond, donc ça devrait le faire. Si je m'installe par là... Alors, je sais pas, de toute façon, c'est la première partie. Le loup, il est là-bas. En plus, il y a des roseaux. Allez, vas-y. Je vais construire le village là. Enfin le village. Mon petit truc. Hein. Ouais, comment est-ce qu'on fait? Cabane. Ah, double clic. Et pourquoi je ne fais pas ici? N'est pas entièrement supporté. Ah ouais, je pourrais pas là. Est-ce que je fais... ouais, mais c'est peut-être pas le meilleur des emplacements. Hein. Par contre, on va voir. Ouais, par contre, j'ai galéré à construire si je le fais là. Ou peut-être pas... Ouais, là-bas, c'est peut-être pas mal. Allez, vas-y, je vais le construire ici.
charger. Bon, je sais pas si j'aurai assez de bois. Ajouter du matériel de construction. Comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qu'il me faut exactement? Ah, il me faut... Ok. Il me faut du lin. Et du lin, j'en ai plus. J'en ai, mais là-bas. Il y a encore deux loups là-bas. Ah ouais, mais ils sont indiqués. Et puis il y a un loup là-bas en face. J'ai peur que le loup d'en face, il me capte. Est-ce qu'il y a... là-bas. Ah, il y en a deux en plus. Est-ce qu'ils sortent la nuit? On va voir hein, si j'y arrive. Et récupérer ça, comme ça j'aurai le lin normalement dont j'ai besoin. Et après, de toute façon, il va falloir... Je peux pas y aller? Si. Non, je peux pas. Il peut pas nager? Qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Ça. C'est tout? Ah bah d'ailleurs j'ai pas grand chose. Du chanvre on s'en fout, graines de chanvre on s'en fout, de la pierre on va prendre. Minerai d'étain, bûche. Ah ouais quand même, hein, ça prend de la place. Et du lin. Hein. Il me restera 3 places pour du lin. Est-ce que j'en avais quelque part? Oh là là, va falloir que j'aille chercher ça, je ne sais où. C'est un peu la galère là. Bon, bah demi-tour et puis on va chercher du lin. Je sais pas encore où, mais va falloir que j'aille en chercher. Est-ce que j'ai des baies? Ouais. Ça, ça me donne un petit bonus. Énergie et de la vie. Alors, je peux courir par là. Bon, je peux déjà mettre du lin. Ah, mais peut-être qu'un seul suffira, mais je suis pas certain. Non. Il va m'en falloir plus que ça. Ça, c'est quoi? Construction, cabane personnelle. Ajouter 6 bois. Ajouter un lin, 6 lins encore, 5 lins et 3 bois. Du lin, il y en avait où? Est-ce que j'en ai? Est-ce que j'en vois? Ah, il y a du chanvre. J'en vois pas du tout. C'est problématique ça. C'est pas grave, on va monter et on va voir ça. Donc au début, là, je vais galérer un petit peu évidemment, mais... Peut-être que je pourrais le faire. Ça, il faut juste du bois. Un bois, s'il vous plaît, quelque part. Là. Ça pourrait m'être utile. Particulièrement pour vous. Ça. D'accord. Il faut que je vire la hache. Ah, mais je peux faire comme ça, peut-être. Ouais. Nickel. Là, on voit quelque chose. Également du lin, donc en violet hein. Là une fois il m'en fallait 5 hein, je crois. Est-ce que j'aurai assez de place? Non. Roseau on s'en fout. Ah la viande, ouais, faudra la cuisiner rapidement en fait. Champignons je n'aurai pas besoin d'autant non plus. Ok. En plus, puisqu'il fait nuit, j'aurai un petit peu plus de mal à les repérer. Là, il y en a un. Là-bas, il y a un cerf. Alors, je sais pas où est-ce que je vais pouvoir. Bon, je sais qu'il y en avait en haut, mais je vais juste regarder quand même par là.
là, je n'en vois pas. Alors, je sais pas si on les voit à partir d'une certaine distance ou si on les voit de loin. Je crois que j'ai plutôt passé par ici. Les chambres, on s'en fout. Les champignons. Mon Dieu, allez, passe, trouve-moi du lin. Alors je sais qu'il y en avait pas mal au début, hein, en début de partie. Bon, peut-être qu'il aurait été plus simple de crever du coup. Mais ouais, je vais en trouver par là-bas. Par là-bas, je vais en trouver normalement. Ah, quoi que, bah non, si je les avais déjà pris. Mais je crois qu'il devrait y en avoir d'autres. Bon, si ça se trouve, j'aurais déjà loupé. Ça, c'était quoi déjà? En jaune, je sais pas. Là, 2, 3, 4. Ah oui. Ah non, c'est bon. Puis on va virer, on va bouffer un champignon. Et puis on va virer une pierre. 1, 2, 3, 4, 5. En fait j'en ai déjà 5, c'est bon, mais on va quand même prendre un peu plus. Comme ça on est large. Ok, c'est bon, on retourne et je devrais pouvoir terminer ma cabane. Juste récupérer encore un petit peu de bois évidemment. Et puis ça devrait être tout bon. Est-ce que je peux l'indiquer en fait comme ça? Non. Ça ne change pas, ça ne m'indique pas sur la map. C'est pas grave. On va faire ça. Hein. Par contre, je sais pas comment est-ce que je vais pouvoir réparer après ma torche. On va peut-être la ranger quand j'en ai pas vraiment besoin. Histoire d'économiser ça, parce que je suis déjà à un tiers hein, de sa durabilité. Ouais. Encore un petit bout à faire. Et je peux manger également autre chose, hein, mais je pense pas que de la viande crue ce soit très bon. Il va falloir cuisiner. Malheureusement, je n'ai pas de feu encore. Pour le feu, il va sûrement me falloir de la pierre et du bois. Par contre, là où je suis, c'est vrai qu'on est quand même. Je suis quand même assez entouré de. Ah, il y avait du loup. Je suis entouré de loups, quoi. Donc je me demande, si je les tue, est-ce qu'ils réapparaissent? Il y a des chances. Là, j'aurais besoin de monde. Ah, c'est pas vrai. Il me paraît bien proche, ce loup. Et surtout qu'ils sont deux, hein, ces salauds. J'aurais peut-être pas dû me mettre aussi loin. On teste. La dernière fois... Ah, il est vraiment là. On va quand même essayer de l'esquiver, mais... On va voir. Hein. Ah merde! Ah non, mais ça c'est quoi? Cabane personnelle, oui, bah oui. Ah oui, d'accord, je peux stocker là-bas et puis après je mets ça à la main. D'accord. Non. Là, il me faut du bois. Et là, il me faut du bois. Du bois, il y en avait. Bah, il y en a là. Ah ouais, c'est sympa quand même, c'est un peu chiant là. Ah c'est bon. Ouf. Et là je vais pouvoir dormir. Renommée plus 60, la construction de la cabane personnelle est terminée, blablabla. Cette cabane vous fournira un endroit personnel pour dormir ainsi qu'un coffre privé. Champignons, morceaux, hache simple, torche, bûche, fourrure, minerai d'étain, pierre brute et rose de rivière. Parfait. Alors ici on a quoi? Coffre.
On va mettre ça. Ça, je vais avoir besoin. Est-ce que je continue comme ça? Moi, je dis que je continue comme ça. J'ai l'impression que c'est l'hiver là, qui arrive. Hein. Maintenant, juste pour voir, donc journal, non, c'était quoi, nouveau foyer, blablabla, attendez jusqu'à demain. Ouais, faut que j'attende jusqu'à demain. Ok, alors ce que je vais faire, bon, on va dormir, on va voir si on va se faire éliminer par le loup. J'aurais peut-être dû sauvegarder juste avant. Est-ce que le loup pourrait rentrer? Pas sûr. Allez, deuxième jour, 5 jours avant l'hiver. Ah bah merde, ça craint ça. J'ai juste sauvegardé ici. Hein. Oui, ok. Le loup n'est toujours pas trop loin, mais on va l'esquiver, hein, parce que... Voilà, j'ai compris un petit peu la galère. C'est pas grave, de toute façon, après, je sais pas si c'est vraiment là que je vais m'installer, je sais pas si je vais pouvoir déplacer aussi tout ça. Ou si je peux reconstruire un ailleurs. Les baies par contre. Ah ouais, ça dure quoi, 2h30? J'ai des animaux de ferme, t'en es déçu lorsqu'il est cuit ou fumé à l'eau. Ou au feu. Fumé à l'eau. En tout cas, il fait vraiment pas beau, hein. Est-ce que ça me fait un mal ou pas? J'ai pas d'indication, mis à part. Ah non. En haut à gauche, je vois que le bonhomme a les bras levés, ça veut dire qu'il est en pleine forme, je pense. Ah oui, mais j'ai pas ma hache. Si, il est toujours là, c'est bon. Allez, on va voir ce bonhomme. Bon, j'ai quand même pas mal de chemin à faire, mais en même temps, ça sert à rien de s'installer trop loin non plus. Et ni trop proche, il me semble. Ah oui, c'est la partie en village, je peux pas récolter. Pas de problème. On va faire sans. Là, c'est pas fini d'être construit ou c'est cassé, je sais pas. On va passer par là, on va monter par ici. Spare a coin for an old soul, just a few pennies to stave off hunger's bite. Si tu le dis. Si tu le dis. Quand même un sacré village, hein. J'espère que je pourrai construire quelque chose de similaire, voire même de plus grand. Bon, je pense peut-être pas en ce moment là. C'est anticipé. Donne-moi une chance de gagner ta confiance. Si j'échoue, je te laisserai tranquille. J'ai encore des choses à faire ici, rien n'a changé depuis hier. I'll tell you what. We actually have one problem you can try to resolve, if you're willing, of course. Attendez, je vais vous dire quoi. Nous avons en fait un problème que vous pouvez essayer de résoudre, si vous êtes d'accord, bien sûr. Vas-y. Qu'est-ce que c'est? Alors lui, il vous voit, puis moi, je le tutoie. C'est pas. Hein? It gets cold around here, especially close to the mountains. If we want to keep ourselves warm, we need fur for it, rabbit or wolf pelts. But you see our hunter. Well, we got into a little discussion about how things should work in the village regarding payment. Et je suppose que vous n'avez pas pu vous mettre d'accord sur cette petite question. He doesn't want to work with us anymore, but Herndeen mostly depends on him to provide. I want you to convince him to deliver traps. If you can bring us rabbit fur too, that would be very much appreciated. But we can't expect you to do that every day. We want to be self-sufficient with our fur trapping. So the priority of the traps, hurts badly. I'm too and the hungry. Rabbit fur would be a bonus. Take care of that, and then I will consider your request. Mm-hmm. Go speak with Amelie. She's a bit of a troublemaker, but her heart's in the right place, or so I have to tell myself. She has a good relationship with everyone in the village, and knows nearly everything that goes on around here.
If anyone can point you in the right direction, it's her. Bien. Bah, elle est juste à côté. Et c'est quoi? C'est peut-être pour là. Ouais, non, c'est autre chose. Ok. On va la voir. Elle est. Ça, c'est quoi ça? Keep going. Ah, on peut peut-être. Got rats in the cellar. Don't say I didn't. Expert aubergiste. C'est elle, Amélie? Greetings, newcomer. Say, have we met before? Your face is awfully familiar. For you. Unfortunately, he's in the forest, just up the hill, not far from the village. Perhaps bring a book so you have something to Don't do while he rants stupid. At you. Donc peut-être amener un livre. And who might you be? D'accord. Je suis un voyageur, ok, j'espérais poser les questions, j'ai un peu d'or à revendre. Si vous avez quelque chose à proposer, laissez-moi. C'est quoi ça? Ah ouais, ouais, bah non, attends. J'ai combien d'or moi? Est-ce que c'est indiqué quelque part? Je pense que je dois avoir 0. Ah non, j'en ai 28. Ouais, bah non, ok, laisse tomber. Hein. Et puis vendre. C'est quoi tout ça? C'est pas tout ce que je possède quand même. Étranger, 0 sur 100. Ah oui, d'accord. Donc en bas à droite, là, je vois que. Il y a une réputation qui commence. Mais c'est encore un petit peu limité. Je vais pouvoir consommer des baies par contre. Donc il a dit il était au nord de la forêt, juste en dessus du village. Mais par contre, d'apporter un livre, je sais pas. On va voir, hein, sans livre, parce que j'ai pas eu envie d'acheter. Des livres à 150, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Pas envie de me galérer avec ça, mais on a combien là? On a 47 minutes déjà. On peut déterrer les morts là? Histoire de voler, c'est des bijoux. Alors, est-ce qu'il serait par là? Je pense, hein. Il faudrait que je me promène pour le trouver. Il est pas pénible l'autre là. Il faut absolument que je voie le chasseur. Parce que j'aurais bien savoir comment faire après pour recruter du monde. Je pense que je vais pouvoir m'arrêter ici. Parce que ça risque de prendre un petit peu de temps. Le temps que je le trouve. Parce que si ça se trouve, il est encore un peu plus haut. Ou pas. En tout cas, là sur la map, en ce moment, il n'est pas vraiment indiqué. Donc elle m'avait dit au nord du village. Donc ça devrait être par là. La forêt, elle est bien là. Ouais, va falloir se promener et voir un petit peu tout ça. Donc oui, on est bientôt à 50 minutes. De toute façon, il va bientôt falloir que j'arrête. J'essaie d'avancer un petit peu en œuf. Et de vous reprendre bah, pour demain. Et voir ce que j'aurais pu avancer. En espérant quand même que je le trouve. Parce que là, je sens que ça va être une vraie galère. Mais peut-être que je pourrais passer aussi un petit peu autre chose. Je sais pas d'ailleurs si... Ouais, je peux construire autre chose, bien sûr. Bureau de recherche, feu de camp. Bah voilà, parfait. Latrine, tente d'habitation, cabane personnelle. Il va falloir que je construise après, de toute façon. Donc voilà. Et peut-être me faire quelques petits loups à côté. Après avoir fait le feu de camp. Donc voilà. Allez, je vais m'arrêter ici. Comme d'habitude, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.